C'était pas mal chez elle. Oui, il n'y a encore rien. Je viens de m'installer. Non, non, c'est pas mal. C'est drôle, hier, j'étais pas avec vous et je pensais à vous. Aujourd'hui, je suis avec vous. Et je pense à autre chose. C'est tout ce que vous savez. Oui. Je croyais qu'il faut tas de choses, des langues. Non, 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 non. J'ai de la pellicule tellement sensible. C'est de l'agfa-record. Quand on photographie un visage, regardez-moi. On photographie l'âme qui est derrière. Elle avait les yeux cernés. Ils étaient gris Velasquez. Où est-ce que vous voulez que je me mette? N'importe où. Oh, n'importe où, ça m'est égal, ça n'a pas d'importance. Vous faites ce que vous voulez, moi je vous photographie. Tenez, je vais vous poser des questions et vous allez me répondre. Ce sera plus facile. Vous avez l'air d'avoir peur, pourquoi? Oui, j'ai peur. Faut pas? Je trouve que c'est comme si la police m'interroge. Elle était moins belle qu'hier après-midi. Oui, oui, un peu. La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Vous vous appelez Véronica comment? Elle n'a pas répondu tout de suite. Véronica Dreyer. Vous êtes finlandaise? Ah non, danoise. Non, je suis russe. Mais née à Copenhague. Qu'est-ce que vous faites à Genève? Vous êtes avec vos parents? Non, je suis seule. Une étrangère qui parle français, c'est toujours très joli. Et vos parents, où est-ce qu'ils sont? Ils sont fusillés pendant la guerre. Ah bon, ils ont été fusillés par qui? Ça vous regarde pas. Par les Allemands? Par les Russes, alors? Ça vous regardait pas? Pourquoi vous ne voulez pas me le dire? Comme ça, c'est tout. Enlevez vos cheveux avec les mains. Le charme de Véronica, c'était elle-même. La courbe de ses épaules, l'inquiétude de son regard, le secret de son sourire. Est-ce que vous pensez à la mort, quelquefois? Elle m'a regardé d'un air angoissé, et brusquement, j'ai eu l'extraordinaire sensation de photographier la mort. Puis tout redevint normal. Et depuis que vous êtes à Genève, beaucoup de garçons vous font la cour? Oui. Pourquoi? Non, pour savoir. Je suis sûr que vous avez déjà posé pour des photos en maillot de bain. Non, jamais. Là, maintenant, à quoi vous pensez? Vous pensez à moi? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Pourquoi vous ne répondez pas? On dirait vraiment que vous avez peur. Mettez vos cheveux derrière vos oreilles. Tiens, mettez le truc du disque devant votre figure.